Eh bien, bonjour Canal Gym. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite séance d'abdominaux en 45-15. 45 secondes d'effort, 15 secondes de récupération, 5 exercices. Comme d'habitude, je vais te montrer les exercices pendant le cours et toi, tu as juste à te laisser guider. On est parti pour travailler la sangle abdominale. Allez, je lance l'introduction et on est bon. Ok, vous avez juste besoin du tapis pour commencer. Donc, on va lancer le chrono. On commence par un oblique où on va lever les deux jambes et ensuite le buste en même temps, donc c'est-à-dire celui-ci d'exercice. Ok, comme ça. Si c'est trop dur, tu ne montes que le buste. Ok ? Allez, 10 secondes pour te placer. Et c'est parti, après pour à peu près une vingtaine de minutes, un petit peu moins. Placez, serrez vos abdominaux, placez vos mains. Et on est parti pour 45 secondes. Donc tu souffles en montant, tu inspires en descendant. Hop, tu aspires bien le nombril vers la colonne vertébrale. Encore, encore. Voilà. Hop. Hop. Ouais. Pense à bien souffler, rapproche bien la côte du bassin. Si ça te fait un peu mal au niveau de la hanche, installe-toi et bouge pour se retrouver un petit peu plus sur la fesse. Il y a toujours un peu plus de chair dans cette fesse. Allez, une dizaine de secondes. Souffle bien en montant. Encore. Voilà. On aura 15 secondes pour après tourner. Hop. Dernière fois. Ok, on change de sens. Hop. On se replace. Je vais monter un petit peu le son. Je n'entends pas les vitres. Voilà. 3, 2, 1. Et on est parti. 45 secondes. De l'autre côté. Hop, encore, encore. Voilà, je fais bien mon temps. Oui, ce micro est en train de me gêner. Hop. Allez, voilà. Donc, on rapproche bien les côtes de son bassin. Je te montre l'alternative qui ne serait de ne pas lever les jambes. D'accord, tu peux commencer comme ça et petit à petit, hop, tu enchaînes avec les deux. Si c'est trop dur, tu en fais 2-3 comme ça, hop, tu te reposes et tu fais que le buste. Et tu peux même faire, si tu veux, que les jambes. D'accord ? Je trouve que faire que les jambes, ça fait un peu mal aux hanches. Donc c'est pour ça que je préfère faire le buste, moi. Voir les deux. Allez, encore. Ok, top. La suite, c'est un ramené de genoux avec le buste levé. Donc, pas compliqué. Tu vas lever les genoux, les mettre sous le bassin. Tu vas uniquement lever le buste. Mettre les mains derrière la tête. Et tu vas ramener les genoux à la poitrine en ayant toujours cette position de crunch en fait. Donc c'est un crunch bloqué. Hop, dégage bien le menton, replace les mains bien derrière la tête et pose la tête dans les mains. Donc tu vas rapprocher les côtes des hanches. Hop, voilà. Allez. Hop, souffle bien. Quand tu ramènes les genoux, garde le buste levé, garde les abdominaux sous tension. Voilà, ça c'est bien. Hop. Encore. Ok, la suite. Gainage pied-main opposé. Donc, soit tu fais le gainage avec les mains, d'accord, soit sur les coudes. Je vais te montrer les deux possibilités. Hop. Donc, la première possibilité qui est un petit peu plus dure, c'est celle-ci. Les mains opposées. Tu serres bien les abdominaux, tu essaies d'être gainé. Celle-là, des fois, est un peu plus facile. Si tu fais, et si tu as un tapis comme moi, mets pas les mains sur le tapis, si tu es sur les mains, mets les mains sur quelque chose de plus dur. Ça sera un petit peu plus facile. Hop, tu peux te mettre à l'extérieur de ton tapis pour faire cet exercice. Hop. Voilà. Tu essaies de bien te gainer, épaule bassin aligné, abdominaux serrés. Si comme moi tu glisses, je le dis assez souvent, c'est que les chaussures elles sautent pas là. Allez, 10 secondes. Grandissez-vous. Hop, tu peux alterner. En alternative, ça serait tu gardes les pieds, genoux au sol. Ok, prochain exercice, c'est le Superman. On va battre des jambes. Placez-vous. On peut mettre les mains soit devant, soit derrière. C'est plus difficile si tu mets les mains devant. Donc on va commencer comme ça. Ça part de la hanche et tu bats les jambes. Pointe de pied légèrement vers l'extérieur.
enfin vers l'intérieur, pardon. Granisez-vous par le sommet du crâne, montez. Vous devez sentir les fessiers qui sont serrés, ainsi que le bas de votre dos. Voilà. Si c'est trop dur, vous pouvez mettre vos deux mains comme ceci, hop, et vous continuez à battre. Il y aura moins de tension au niveau du dos. Si c'est trop facile, vous tendez les bras devant. Mais faites partir toujours le mouvement de la hanche. Ok, et on est parti. Donc là, on vient de faire le premier tour. Et on part sur le deuxième tour. Oblique, hop, un bras devant, l'autre bras monté ouvert. Go, allez, abdos, 45 secondes. Là, on est en train de travailler le côté, le flanc. Je joue toujours en montant, inspire en descendant. Allez, encore. Voilà, ça c'est bien. Ouh. Oui. Hop là. Encore. 10 secondes. On change de sens. Hop, je tourne le micro et je me tourne à moi. Replacez-vous. Aspirez bien le nombril. Une main pour se stabiliser. On lève et c'est parti. Ah, continue à bien souffler quand tu ramènes le coude vers le genou. Yes. Encore, voilà, ça c'est bien. Allez, 10 secondes. Ok, bien. La suite, ramenez le genou. Genou bassin. Placez les mains derrière la tête. Montez le buste. Stabilisez le corps. Et ramène juste les genoux. Voilà, ça c'est bien. La suite, gainage, pied-main opposé. Bon, tout à l'heure, j'avais levé le bras gauche, donc cette fois-ci, je lève le bras droit. Bras droit, jambe gauche, si tu fais comme moi. Je vais mettre sur les coudes, une main, un bras. Ton travail, c'est de bien t'aligner, d'accord? Ne monte pas l'épaule, redescends. Si c'est trop dur, je te remontre l'alternative qui est ici. D'accord? Un pied, une main. Allez. Rien ne t'empêche de faire une pause et revenir après ici, hop, en te mettant en planche en option et ensuite tu te remets sur l'exercice. Ok, bien. On continue. C'est le Superman. J'avais fait un petit trou. On est parti pour le Superman. En place. J'ai le rayon divin sur la jambe. Allez.
Voilà. Grandissez-vous. Hop là. Grandissez-vous bien par le sommet du crâne. Éloignez les épaules des oreilles. Tous les points d'appui légèrement vers l'intérieur. On sent le travail du fessier, on sent le travail du dos. Ça part au niveau de l'hanche. Ne me fais pas ça. Hein. Ça là, c'est que le genou qui bosse, on s'en fout. Hein. Nous, ce qu'on veut, c'est la hanche. Hein. Ça part d'ici. Là. Encore. Encore. Bien. Allez, on continue. Là, on reprend. Mon petit exercice d'oblique. Troisième tour. Inspirez via le nombril. Placez les mains. Et on est parti. Quand tu pousses, ne t'aide pas avec la main. Hein. Ou très léger, ne me fais pas ça. Hein. Ça sert à rien. C'est la main qui aide. Là, c'est uniquement. Hop. Hop, les jambes qui se lèvent et le buste qui se rapproche. Voilà, bien. Souffle en montant, inspire en descendant. On s'accroche. On est bon. On est en train de shaper notre corps pour cet été. Bon, vu la température, c'est pas maintenant que tu mets ton maillot de bain. On est bien d'accord. Ok. On change de sens. Hop. 3, 2, 1. Et c'est parti. Tu peux faire aussi comme ça si tu veux sentir tes abdominaux. Hop. Allez, encore. Allez, souffle bien en montant, inspire en descendant. Hop. Hop. Encore, encore. Ok. Ramenez deux genoux à le buste. On te buste et on ramène. Je sais pas toi, mais ça pique un peu quand même. Hein. Dix secondes. Allez. On va partir. C'est toujours ce trait divin ici là. C'est les joies de la fenêtre. Et du soleil qui sourit, qui se cache. Je me mets en diagonale pour pas être embêté. Et c'est parti. Grandissez-vous, repoussez le sol, aspirez le nombril vers la colonne vertébrale. Souviens-toi que si tu as un coude moins bien, tu peux poser le genou au sol, même en restant sur le coude, comme ceci. Tu n'es pas obligé de te mettre sur les mains. Et après, tu repars. Allez. Allez. 10 secondes. Allez. Celui-là est dur, hein. Bien, on continue. Superman. Et c'est parti pour Superman.
Pensez à serrer vos fessiers, aspirez le nombril dans la colonne vertébrale. Hein. Ah, encore. C'est bien ça, canal gym, c'est bon ça. Pense à mettre les mains derrière, hop, au niveau des fesses si tu as mal un petit peu aux épaules, hop, tu trouves l'exercice un petit peu trop dur, la position alternative, c'est de mettre les bras en chandelier, top, troisième et dernier tour, en place, pardon, je te la refais, quatrième et dernier tour, en place, c'est mieux. Ouf. Hop, soleil, hop, on va reculer un peu, voilà, hop, c'est mieux, on va pas embêter. Top, oh, change de sens. Placé. Aïe, et là. Souffle bien montant, inspire bien en descendant, éloigne bien les épaules des oreilles. Malgré la fatigue, essaie de garder une technique propre. Et pense à la technique. C'est pas le nombre de reps qui compte, hein. C'est une technique propre. Après, quand tu auras la technique et qu'elle restera toujours efficace et propre, tu pourras augmenter le nombre de répétitions. Et après, la vitesse, encore. Ah. Ah. Encore, encore. Allez, ouf. 5, 3, oh, ramenez deux genoux, et on ramène. Pieds bien opposés. On est reparti sur ça. Hop. Tu fais comme moi, c'est la main droite que tu lèves et la jambe gauche. Si tu sais plus. Si tu as fait comme moi. Après, si t'es un peu rebelle et que tout compte fait, t'as fait l'inverse de moi. C'est donc la main gauche à la main droite. Allez. Ouh, il y a une chose là, t'es maintenant qu'on l'avait pas fait cet exercice, il fait un peu mal. Hein. Ouh. C'est moi qui ai un peu perdu une condition physique depuis qu'on est fermé. Ouh, j'ai perdu une petite pause. C'est vraiment qu'on est où, hein. Dernier exercice, le Superman. Et c'est parti.
pensez à vous grandir, pensez à bien aspirer le nombril vers la colonne vertébrale. Ok, 5, 4, 3, 2, 1, top. Eh bien, Canal Gym, j'espère que cette petite séance t'aura plu. Après ça, moi, je te conseille peut-être une séance cardio-renfo, ou la cardio, ou les renfo. Donc, tu pioches dans les séances un petit peu anciennes que j'ai fait, et comme ça, tu auras d'autres exercices. Si au contraire, tu arrives d'une séance comme ça et que tu as fini par les abdominaux, minutes, c'est très très bien. Tu as fait à peu près, je pense, une quarantaine de minutes de travail. Je suis fier de toi. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo chez Canal Gym. Et continue à transpirer. Bye bye!